السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Pourquoi elle était si fantasmagorique, pourquoi c'était une icône, un mythe. Et quand j'ai vu, parce que toute son inspiration poétique, artistique, venait en sortant de sa maison, de la vue de ces paysages incroyables, parce qu'elle ne chante pas que sur l'amour, mais elle a beaucoup aussi chanté sur la masérité, sur la vie dans la montagne, sur la ruralité. Donc voilà, donc on devrait enseigner ces recueils de Mreridha, on devrait enseigner les chansons de Hada Waaki aussi à l'école. Et quand on fait un documentaire, et c'est la différence avec le reportage, il y a une réflexion en amont, une intention de l'auteur, du réalisateur. Il y a quelque chose de pensé qui est vraiment le contraire du reportage où tu viens et on filme et on vient chercher juste une information et c'est tout. Quand j'ai commencé à réfléchir sur le film, et dans le documentaire, on cherche toujours pourquoi je m'intéresse à cette thématique-là, même si on est venu me chercher, qu'on m'a proposé cette thématique-là, et à d'autres réalisateurs aussi, mais quel va être mon point de vue, quel va être mon angle d'attaque. Et dans un documentaire, on recherche toujours la subjectivité, quelque chose qui, de l'ordre du souvenir, de pourquoi j'ai envie de raconter cette histoire-là sous le prisme de la poésie amazigh. Et donc là, je suis allé, moi j'ai grandi en France, je suis né à Tinrir, j'ai quitté le Maroc, j'avais 6 mois, et je venais chaque été au Maroc. Et chaque été, il y avait les mariages. Et je demandais à mes cousins de me traduire, parce que, bon, même si je parle amazigh, mais il est avec mon accent, avec mes manques, évidemment, puis le vocabulaire de la poésie est extrêmement raffiné, enfin voilà, c'est pas du vocabulaire qu'on utiliserait forcément tout le temps dans la vie de tous les jours. Et donc je me demandais qu'on me traduise les quelques chansons que j'entendais de mariage, de poésie, et j'étais stupéfait de la liberté de ton et de la manière dont on parlait de l'amour, de la sexualité, de la rencontre, etc., etc., dans une société que moi je voyais quand même plutôt traditionnelle, conservatrice, et qui malheureusement le devient de plus en plus. Donc le message c'était ça, c'était d'aller exhumer une partie de notre histoire, une partie de notre patrimoine qui vient de cette terre-là, de cette terre marocaine, pour dire et pour tendre un miroir, mais regardez le trésor que nous avons ici dans ce pays. Souvent les conservateurs, pour ne pas les nommer les islamistes, nous accusent, nous les modernistes, entre guillemets, ou les progressistes, on va dire, de vouloir importer un modèle occidental, de vouloir copier un modèle occidental. Ben, à travers ce film-là, moi, ce que j'avais envie de montrer, mais aussi à travers mes autres films, comme Tinrir Jérusalem, sur la pluralité de l'identité marocaine, de la dimension juive, de montrer, non, moi, je puise seulement dans notre histoire, dans mon histoire, dans ce que j'ai entendu, dans ce que c'est les vieux, enfin, les anciens, nous ont transmis. Et donc voilà, c'est pour moi le message, il est là. C'est aussi un message politique au sens noble du terme, avec un grand P, de créer du lien, parce que en apprenant ça, en ayant conscience de cette histoire,
à la fois sur ses poèmes à Mazir, mais aussi sur l'histoire de la pluralité de l'identité marocaine, on apprend la différence. On apprend à être ouvert, on apprend à ne pas être fermé à la différence, on apprend à tout ça. Et donc, mon message, c'est ça, c'est de, tout simplement, un message qui est plutôt simple, je crois, mais en même temps que je trouve assez noble, c'est de faire prendre conscience, finalement, des lumières et de la beauté de notre patrimoine, et que c'est un pont avec l'autre, tout simplement, à la fois pour l'égalité homme-femme et pour la diversité culturelle. Ben, c'est jamais facile, de toute façon, de faire des films, notamment du documentaire. Évidemment, il y a toute une préparation en amont, à la fois un peu dans l'écriture, mais après surtout sur le travail de terrain, ce qu'on appelle dans le langage cinématographique les repérages. Et à chaque fois, la chance que j'ai eue pour les régions que je ne connaissais pas, où je n'avais pas d'accès aux gens faciles. Si tu es un étranger, les gens ils vont pas te laisser, oui, c'est qui celui-là, etc., etc. Donc à chaque fois, j'ai eu des personnes sur qui j'ai pu m'appuyer pour créer un lien avec mes personnages. J'en ai rencontré plusieurs, évidemment. À Emile Schill, c'était Mounir Kiji, qui est un grand ami, un grand activiste à Mazir, journaliste maintenant. Dans ce village de Megdez, c'était mon ami anthropologue, qu'on voit dans le film. Et donc, à chaque fois, ça m'a permis. Hadda Ouaki, je l'ai connu grâce à la chanteuse, à la comédienne Fatema Atef, que j'aime beaucoup aussi, qu'on voit dans le film, c'est elle qu'on se rencontre à un moment donné à Meknès. Donc à chaque fois, il y avait cette introduction par un tierce qui me permettait ensuite de pouvoir commencer à travailler. Mais après, c'est pas tout. Ça facilite énormément la tâche. La chance que j'ai, c'est qu'avec mon amazir rudimentaire de la rue, ça m'a permis de créer aussi ce lien. C'est pas l'étranger qui va venir capter quelque chose, c'est tout de suite le fils de Tinerer aussi, le fils de l'Atlas, et donc Memes Tinerer. Donc ça crée tout de suite un lien de confiance. Et avec les femmes de mon village, alors là, des fois ça peut être plus dur parce que. Mais elles me connaissaient tous, et ma grand-mère est aussi dans le groupe, donc c'est ma femme. En fait, elle, je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien que vous me... Ah non, on ne veut pas parler d'amour, c'est Hachouma, etc., etc. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, vous chantez... Parce que je savais que ma grand-mère était dans ce groupe de femmes religieuses où elles se réunissent tous les vendredis pour chanter des louanges au prophète et à Dieu. Et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est un joli pont. D'ailleurs, c'est la question. Je dis, d'accord, vous chantez l'amour de Dieu et du prophète, mais l'amour des hommes dans tout ça. Et donc, et là, à ma grande surprise, et c'est ça qui est beau dans le documentaire, c'est qu'il y a une mise en scène, c'est-à-dire une préparation, on sait ce qu'on va tourner, avec qui, pourquoi, etc., etc. Mais il y a le réel qui peut, à un moment donné, vous exploser en pleine figure. Et cette femme qui dit, à un moment donné, moi, depuis que j'ai enterré mon mari, je suis tranquille, elle lui a réglé son compte, c'était comme si on était dans un cabinet de psychanalyse et que moi j'étais l'analyste et qu'elle était sur le divan, et là elle prenait à témoin, elle lui a réglé ses 50 ans de souffrance avec cet homme qui la battait en 2-3 phrases, et elle voyait bien la caméra, elle voyait bien la perche, les lumières, etc., etc. Et donc ça, je ne m'attendais pas du tout. Et c'est ça la force, c'est ça la beauté dans le documentaire, c'est que parfois on a des pépites comme ça, de paroles qui sortent du cœur, qui sortent de l'âme, et qui est en même temps très drôle parce qu'elle fait rire toutes ces femmes-là. Et dans le public, à chaque fois que j'ai montré le film, c'est une des séquences qui a le plus marqué les téléspectateurs. Donc voilà, donc c'était. Je crois que j'ai répondu à la question. Voilà, donc le travail de sentir la confiance. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour le final, là. Donc là,
جينا دابا لاكادير نمشيو نفتحوا نمشيو لتيزنيك البلادي ان شاء الله. السلام عليكم. كدا الشيخ سامع زياد من مازيغ نقول لهم هاد الدم الشرق المغرب خذوا طنجة الكويرة الشرق سامع زياد سامع زياد النخ مازيغ اكادير خنيفره طلاس كله مهم هنا الا مازيغ نقول له الشرق المغرب كله عزان غير في ولاونا نقادر بزاف على قاش ايت مازير هينو ولا قاش على صرينو نكسياز يا اختي توسي تيخ الحب خوش ميدن بزاف اللي مجمع خدمي دنا تبارك الله يزيل مجمع خدو دماون حي اختي ماتينو مهم تجعمي بزاف وشكرا لكم. Bah tout d'abord à ce quoi s'embarquer Irodan, je suis très content d'avoir eu cette opportunité grâce à l'Institut français d'Agadir de présenter mon film que j'avais fait pour 2M Tassanou Teherenou et qui traite de l'amour à travers les voix des femmes amazighes, des poétesses mais aussi des chanteurs et des chanteuses. Donc voilà, donc c'était pour moi un moment privilégié de partager avec le public Gadiri ici à l'Institut français, dans le cadre en plus des festivités du Nouvel An amazigh. Et je trouve ça formidable qu'on fête de plus en plus cette tradition marocaine.